Allez, qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? De l'anglais. Mille cent. Finirai un jour, je finirai. On a eu peur. On n'a pas tout de suite vu qu'on avait été cambriolé. On est entré dans la Les cuisine et les voleurs vols. étaient dans la cuisine. I saw on TV that they had gotten lost. I saw. Je J'ai vu vu à la télé télé que elle qu'elle s'était perdue. perdue. Le cambrioleur s'était endormi dans notre lit. The burglar had fallen asleep in her bed. Ils étaient déjà descendus, je n'ai rien pu faire. They was already gone downstairs. I had not able to do anything. Ben non. I was not able to do anything. Je sortais quand j'ai entendu un bruit de frein. I was going out when I was going out when I heard I was going out when I heard her break noise. Il s'est échappé de la prison où on l'avait mis. He escaped from he had escaped from prison where we put him. He escaped from the prison where we had. He escaped from the prison where we had put him. Il était allé à l'aéroport, alors ils l'ont arrêté. Il était allé. He had gone to. He had gone to the airport. So they arrested him. Cambrioler plutôt la maison de mon voisin riche. Burglaries. Burglarize. Wow, burglarize. 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 Razor, razor my rich neighbor's house. On a vérifié la grotte où il était descendu hier. We had checked the cave where où il était. We checked the cave where he had gone down yesterday.
Ils étaient arrivés et ils s'avaient descendus. Ils étaient déjà descendus. Je n'ai rien pu faire. They was already gone. Descendu, gone downstairs. They had already gone downstairs. I was not able to do anything. Il s'est échappé de la prison où on l'avait mis. He escaped from prison where we had put him. Allez, next. J'ai mangé le gâteau puisque tu l'avais laissé. I hate the cake puisque tu l'avais laissé since you left it. Since you had left it. Les gros titres de ce magazine sont stupides. The headlines of this magazine are stupid. Tu as plié le linge, mais je ne l'avais pas lavé. C'est quoi déjà plié? You folded the laundry, but I had not washed it. On ne peut plus communiquer sans Internet. We was not able to communicate without any Internet. We can no longer communicate without the internet. Après avoir planté de nouvelles fleurs dans son jardin, Marc a vu que son chien les avait toutes arrachées 3 heures. De nouvelles fleurs. J'ai donné la tablette qu'on avait achetée à Léa, puisque tu n'en avais pas voulu. Elle en voulait une depuis longtemps. Elle était ravie. Léa n'avait pas de tablette. J'avais déjà vu le film dont il m'a parlé. I had already seen the movie that he talked to me about. Tu étais devenu si nerveux depuis cet accident. You had become so nervous since that accident. Il n'a pas lu les articles que j'avais écrits. He did not read the article that I wrote. Que j'avais écrit. Je vais essayer ça. Written. He did not read the article I had written. Jean, il faut que tu repasses tes chemises. Jean, you must folded. Repasse. Eh non. C'était plié. Et plié, je ne me rappelle plus si c'est ça. Jean, you must iron your shirt. J'ai mangé le gâteau puisque tu l'avais laissé. Chemise, shorts. Pas skirt, shirt. J'ai mangé le gâteau puisque tu l'avais laissé. I hate the cake since you had left it. Tu as plié le linge, mais je ne l'avais pas lavé. You folded. Plié. Yes, c'est ça. You folded the laundry.
But, mais je ne l'avais pas lavé. But I did not wash it. But I had not washed it. You fold the dress laundry, but I had. On ne peut plus communiquer sans Internet. We cannot communicate without Internet. We can no longer communicate without the Internet. Il n'a pas lu les articles que j'avais écrits. He did not read the article. He did not read the article that I had written. Jean, il faut que tu repasses tes chemises. Jean, you must iron your shirts. Tu as plié le linge, mais je ne l'avais pas lavé. You folded the laundry, but I had not washed it. On ne peut plus communiquer sans Internet. We can no longer communicate without the Internet. We can no longer communicate without the Internet. Wow, c'est you. Tu as plié le linge, mais je ne l'avais pas lavé. You folded the laundry, but mais je ne l'avais pas lavé, but I had not laundry it, washed. On ne peut plus communiquer sans Internet. You can no longer communicate without the Internet. I folded the towels you had washed. I folded the towel. J'ai plié les serviettes que j'avais lavées. Tu trouveras de jolis cadres dans ce magasin. You will find beautiful cadres et quadrilles in this store. You will find pretty frames. J'ai donné la tablette qu'on t'avait achetée à Léa, puisque tu n'en avais pas voulu. Elle en voulait une depuis longtemps, elle était ravie. Léa n'avait pas de tablette. Max had folded the laundry, but he did not put it away. Max a plié le linge. Mais il ne l'avait pas rangé. Bravo. I decided to no longer iron my clothes. J'ai décidé de ne plus repasser mes vêtements.
Hier, j'ai lavé un pull que j'avais tricoté quand j'avais 20 ans. Avait. I was no surprised to meet you there. I was so surprised. J'étais tellement surprise de te rencontrer ici. C'est le fil de la télé ou celui de l'ordinateur? Is this the wire? Is this the TV wire or the... computers? Why had you had my room a mess? What have you made my room a mess? Why had you made my room a mess? Why had you made... Pourquoi? Pourquoi tu mis ma chambre en désordre? Pourquoi aviez-vous mis ma chambre en désordre? Pourquoi as-tu, j'ai marqué moi? Alors. Anne avait oublié de confirmer la salle quand on est arrivé pour décorer, elle était fermée. Elle va annuler sa soirée d'anniversaire. Anne ne peut pas faire sa fête, hein, fermer la salle. À tout décorer. Tu trouveras de jolis cadres dans ce magasin. You will find pretty frames in this store. Max had folded the laundry, but he did not put it away. Max. Ah. Plier le linge, mais il ne le... Max avait plié le linge. Ne a plié le... Max avait plié... Avait plié le... linge, mais... Mais... Il ne l'a pas rangé. Why had you made my room a mess? Pourquoi aviez-vous mis ma chambre en désordre? Anne avait oublié de confirmer la salle quand elle est arrivée pour décorer. Tout était fermé. Elle va annuler sa soirée d'anniversaire. Anne ne peut pas faire sa fête. Il risque de pleuvoir, rentrons vite à l'hôtel. You must rain. Go quickly. To the hotel. It might rain. Let's quickly go back to the hotel. Pourquoi aviez-vous mis ma chambre en désordre? Why had you made my room a mess? Il n'a pas lu les articles que j'avais écrits. He did not read the article I had written. Cela vous dérangerait-il de déplacer vos valises? Oh, c'est quoi déjà ça? C'est world. Would you meet «
moving your suitcases? Would you mind moving your suitcases? Il risque de pleuvoir. Rentrons vite à l'hôtel. It may rain, let's quickly go back from the hotel. C'est tout, non, peut-être. It may rain, let's quickly go back to the hotel. To the hotel. Cela vous dérangerait-il de déplacer vos valises? Would you mind moving your suitcases? Il risque de pleuvoir. Rentrons vite à l'hôtel. It might rain. Let's quickly go to the hotel. Eh ben non. Il risque de pleuvoir. Rentrons vite à l'hôtel. It might rain. Let's quickly go back to the hotel. Il a oublié le panier qu'il avait apporté au marché. He forgot the basket he had brought to the market. J'ai lu toutes les lettres que tu m'avais écrites. I read all the letters you had written to me. J'avais planté de jolies fleurs dans le jardin. I had planted beautiful flowers in the garden. Je peux communiquer sans ordinateur ni téléphone. I can communicate without a computer or phone. Mon mari a repassé le linge que j'avais lavé. My husband he runs the laundry that I had washed. My husband he ruined the laundry I had washed. J'avais lu le magazine dont il a arraché les pages. I had read the magazine whose pages he pulled out. Tu lui avais offert un panier qu'elle a perdu. You had gave her a basket that she lost. You had given her the basket that she lost. Patrick avait décoré sa maison avec un expert. Patrick had decorated his house with an expert. Mais pourquoi avez-vous coupé tous ces fils?
Mais pourquoi avez-vous coupé tous ces fils, Pot? Avez-vous, but why did you cut all these wires? Yeah. J'ai donné la tablette qu'on t'avait achetée à Léa, puisque tu n'en avais pas voulu. Elle en voulait une depuis longtemps. Elle... Léa n'avait pas de Je tablette. Déteste passer l'aspirateur avec tous ces fils. I hate to spend the vacuum I hate vacuuming with all these wires. Ah, ça corrige vacuuming. Mon mari a repassé le linge que j'avais lavé. My husband. Aïe, aïe, aïe. Mon mari a repassé le linge. My husband. Here on the laundry. I had. Here on the laundry. I had washed it. Tu lui avais offert un panier qu'elle a perdu. You had given her a basket that she had lost. You had given her a basket that she lost. Mon mari a repassé le linge que j'avais lavé. My husband ironed the laundry. Que j'avais repassé that lavé that I tu lui avais offert un panier qu'elle a perdu. You had given her a basket that she lost. Mon mari a repassé le linge que j'avais lavé. My husband ironed. Mon mari a repassé the laundry. My husband ironed the laundry. Que j'avais repassé. My husband ironed the laundry I had. My husband ironed the laundry I had. Wash it. Next heart, no. J'avais décoré la maison avec des ours pour ses 10 ans. Comment je la décorais pour ses 15 ans? Pourquoi Anna, ben avec des ours plus grands, tu la décores 5 ans après. Pourquoi Anna n'a pas parlé à Marc depuis leur anniversaire de mariage? Parce qu'ils ont passé une soirée de rêve. Parce qu'ils avaient oublié de lui offrir des fleurs. Because they had forgotten to give her flowers. J'avais décoré le jardin pour son anniversaire. J'avais décoré le jardin pour son anniversaire. Anniversaire. I had decorated the yard for her birthday. Il m'avait offert un bouquet de roses à notre premier rendez-vous. Que va-t-il m'offrir pour notre anniversaire de mariage? Il était étonné, mais il était surtout en colère. Il était étonné, mais il était surtout en colère.
He was surprised, but he was especially agree. J'avais fait un gâteau au chocolat. J'avais préparé un gâteau au chocolat pour notre dernier anniversaire de mariage. Que vais-je préparer? Préparer, préparer, préparer cette année. J'avais fait un gâteau au chocolat. Quand il a vu que j'avais préparé le dîner et décoré la maison pour notre anniversaire de mariage, Luc était si étonné. Antoine avait offert une trompette à sa nièce. Antoine had given a... Ça s'écrit trompette. Trompette. Antoine had given a trumpet to her nièce. Wow, qu'est-ce que c'est ces mots-là? Antoine had given a trumpet to his niece. Marc a eu l'air très étonné quand il est arrivé à la fête. Oui, il n'avait pas imaginé voir autant de monde. Yes, he had not imagined he would see so many people. Léa et Anna ont passé une super soirée pour leur premier anniversaire de mariage. Elles avaient décoré le jardin et ont fait un pique-nique. Léa et Anna sont mariées depuis 2 ans. Ont mangé dans le jardin. Tout le monde sera étonné de ne pas te voir. Everyone will be. Everyone will be. Surprised. Everyone will be surprised to not see you. It was our first wedding anniversary. C'était notre premier anniversaire de mariage. Sam est arrivé tard 3 fois cette semaine. Il avait oublié son téléphone au travail. Je suis étonné. D'habitude, il est très organisé. D'habitude, Sam est organisé. My son had decorated the bedroom with pasta. Mon fils avait décoré la salle de bain avec des pâtes. Bedroom. La chambre. Avec des pâtes. I was so surprised to meet you there. I was so surprised. J'étais tellement étonné de vous rencontrer là. Mon fils avait décoré la chambre avec des pâtes. My son had decorated the bedroom with pasta. I had called my grandmother on that day. J'avais appelé ma grand-mère that day. Ce jour-là. J'avais appelé ma grand-mère ce jour-là. Antoine avait offert une trompette à sa nièce. Antoine. Had given a trumpet. Trompette. Trompette. Antoine had given a trumpet to his niece. I was so surprised to meet you there. I was. J'étais tellement surprise. I was surprised to meet you.
de te rencontrer. Là. Mon fils avait décoré la chambre avec des pâtes. My son My son had decorated the bedroom avec des pâtes, with pasta. He had called my grandmother that day. J'avais appelé ma grand-mère ce jour-là. Allez, next. Les enfants avaient encore mis leur chambre en désordre. The children had made a mess of the room again. Nous avions prévu d'offrir ce cadre à notre mère pour son anniversaire, mais mon frère l'a cassé en le faisant tomber dans les escaliers. Quel est le problème? Le cadre est cassé. I hate vacuuming with all these wires. Je déteste passer l'aspirateur avec tous ces fils. Est-ce que tu peux cuisiner? Est-ce que tu peux débrancher le fil de la souris, s'il te plaît? Can you unplug the wire off my house, please? We had bought a frame for that painting. Nous avions acheté un cadre pour. We had bought a frame for that painting. Nous avions acheté un cadre pour ce tableau. Les enfants avaient mis le salon en désordre. Les enfants avaient mis le salon en désordre. The children had made the living room a mess. You had dinner at that new restaurant. Vous aviez dîné dans ce nouveau restaurant. Léa a laissé sa fille de 3 ans seule moins de 5 minutes dans son bureau et maintenant tous ces fils d'ordinateur sont en désordre. Quel est le problème? Les fils ne sont plus rangés. The cats had made the kitchen a mess. Les chats ont mis la cuisine en désordre. Mince, c'est pas ça. They tipped up the room and that they had made a mess. They tipped up the room that they had made a mess. Si ils ont rangé. Ils ont rangé. Là. Ils ont rangé la pièce. Que. Ça, they had kills. Ils avaient mis en désordre. Ils avaient fait un cadre avec leur grand-père. Hey, thank you for the follow. Batacax. Where are you from?
Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ils avaient fait un cadre avec leur grand-père. They had made frames with their grandfather. Nous avions acheté un cadre pour ce tableau. Oui. Ah non, il faut écrire en français. Nous avions acheté un cadre pour ce tableau. We had bought a frame for that painting. The computer wires are full of dust. The computer wires. Les fils de l'ordinateur sont pleins de poussière. Les fils de l'ordinateur sont poussière. You had made a horrible cake for the afternoon steak. You had made. Tu avais préparé un horrible gâteau pour le goûter. Tu avais préparé un horrible gâteau. Vous aviez. Tes lapins avaient mangé le fil du téléphone. Your rabbits had eaten the wire of the phone. They had made a frame with their grandfather. They had made a frame with their grandfather. Ils avaient fait un cadre avec leur grand-père. Ils avaient fait un cadre avec leur grand-père. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ils avaient fait. Ah, j'ai oublié le 1. My cousins had spent the night in the yard. Mes cousins avaient passé ou ont passé. Mes cousins ont passé la nuit dans le jardin. Et non, c'est Hervé, c'est ça. The cats had made the kitchen a mess. Les chats avaient mis la cuisine en désordre. You had made a river cake for the afternoon snake. Tu avais. Ah, c'est vous aviez. Vous aviez fait un horrible gâteau pour le goûter. They had made a frame with their grandfather. Vous avez fait un cadre avec leur grand-père. My cousins had spent the night in the yard. Mes cousins avaient passé la nuit dans le jardin. Le linge, c'est simple, tu le mets dans la machine à laver. The laundry, it's simple, you put it in the washing machine. Il avait oublié sa carte, alors il n'a pas payé. Il avait oublié sa carte, alors il n'a pas payé. He had forgotten his card, so he did not pay. Il ne plie jamais ses... Il ne plie jamais ses t-shirts, alors son armoire est en désordre. He never folds his t-shirts, so his wardrobe is a mess. Ce lundi, j'ai lavé mon linge, je l'ai repassé,
et comme j'étais très occupé, je ne me suis pas aperçu que j'avais oublié de le plier. Le linge de cet homme n'est pas plié. You folded the laundry, but I had not washed it. Tu as plié le linge, mais je ne l'avais pas lavé. Daniel, j'ai lavé le linge que tu m'avais donné. Maintenant, tu peux le repasser. Je l'ai mis dans le panier que je t'avais donné. Daniel doit repasser son linge. Alors, faut relire. Daniel doit repasser son linge, c'est ça. The basket. Le panier. I folded the towels you had. Wash it. J'ai plié les serviettes que tu avais lavées. J'ai cassé le panier que tu avais fait toi-même. I had broken. I broke the basket that you had made yourself. Yeah. Il a oublié le panier qu'il avait apporté au marché. Il a oublié le panier. Il a oublié le panier qu'il avait apporté au marché. Qu'il avait apporté au marché. He forgets the basket he had brought to the market. Où as-tu mis les serviettes que j'avais pliées? Where did you put the towels that I had folded? He forgot the basket he had brought to the market. Il a oublié le panier qu'il avait apporté au marché. Il a oublié le panier que il avait à marche. Je ne repasserai pas ta chemise. Tu peux le faire. I would not iron your shirt. You can do it yourself. I will not iron your shirt. You can do it. Mon mari a repassé le linge que j'avais lavé. Mon mari a repassé le linge que j'avais lavé. My husband ironed the laundry I had washed it. I will not iron your shirt. You can do it. I will not iron. Je ne repasserai pas ta chemise. Chemise. Tu peux le faire. Marie folded the laundry she had ironed. Marie a plié le linge. Folded the laundry she had ironed. Marie a plié le linge qu'elle avait repassé. I forgot the basket you had given me. J'ai oublié le panier que tu m'avais offert. J'ai oublié le panier que tu m'avais offert. Je ne repasserai pas ta chemise. Tu peux le faire. I will not. I will not iron your shirt. You can do it. Je ne repasserai pas ta chemise. Tu peux le faire.
I will not iron your shirt. You can do it. Comment veux-tu comprendre ces recettes si tu ne les... Non. Comment veux-tu comprendre ces articles si tu ne lis que les gros titres? How do you want to understand this article if you only read the headlines? Pour préparer Léo à un examen, son prof lui avait donné des livres à lire, mais il ne les a pas lus. Aujourd'hui, il le regrette. Léo ne s'est pas bien préparé. This magazine always has beautiful covers. Ce magazine a toujours de belles couvertures. Sarah, don't pull out your doors here. Sarah. Don't pull out. Sarah, n'arrache. N'arrache pas les cheveux de ta poupée. Après avoir planté de nouvelles fleurs dans son jardin, Marc a vu que son chien les avait toutes arrachées 3 heures plus tard. Marc n'a plus de nouvelles fleurs. Tu connais cette personne sur la couverture? Do you know that person on the cover? I had already read the book he gave me. J'avais déjà lu le livre qu'il m'a offert. Les gros titres de ce magazine sont stupides. Les gros titres de ce magazine sont stupides. Les gros titres de ce magazine sont stupides. The headlines of this magazine are stupid. Je lis les gros titres, mais pas les articles. I read the headlines. But not the articles. J'avais déjà lu le livre qu'il m'a offert. J'avais déjà lu le livre qu'il m'a offert. I had already read the book he gave me. He pulled out his spear her one by one. He pulled out his spear. Il a arraché les poils un par un de sa barbe. Il a arraché les poils un de sa barbe par un par un. J'avais déjà vu le film dont il m'a parlé. J'avais déjà vu le film dont il m'a parlé. I had already seen the movie that he talked to me about. Ce magazine a toujours de belles couvertures. This magazine always has beautiful covers. This magazine always has beautiful covers. Sarah, n'arrache pas les cheveux de ta poupée. Sarah, n'arrache pas les cheveux de ta poupée. Sarah, don't pull out your dolls here. Do you know that person on the cover? Tu connais cette personne? Cette personne sur la couverture. Je le lui ai offert. Mais Léa l'avait déjà acheté. I had given him Léa, but Léa I gave it to her. Je lui
Je le lui ai offert. I gave it to her, but Leah had already bought it. He did not read the article I had written. He did not read the article. He did not read. Il ne lit pas les articles que j'avais écrits. Il n'a pas lu. Tu connais cette personne sur la couverture? Do you know that person on the cover? Les gros titres de ce magazine sont stupides. Les gros titres de ce magazine sont stupides. The headlines of this magazine are stupid. Ce magazine a toujours de belles couvertures. This magazine always has pretty covers. Je le lui ai offert, mais Léa l'avait déjà acheté. I gave her, but Léa already bought it. I gave it to her. I gave it to her, but Léa had already bought it. He did not read. Il n'a pas lu les articles que j'avais écrits. Je le lui ai offert, mais Léa l'avait déjà acheté. I gave it to her, but Léa already. I gave it to her, but they already bought it. Ah, il manque la. Je le lui ai offert, mais Léa l'avait déjà acheté. Je lui ai offert. I gave it to her, but Léa had already bought it. Yeah. And break time. Bye bye.